Salut les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pêche à l'aimant dans ce magnifique étang. Et donc du coup, après une journée chargée au boulot, mon collègue et moi, on s'est dit on va aller faire de la pêche à l'aimant histoire de se changer les idées. Bon, on va préparer le matos, mais là on a un gros problème, c'est que les deux aimants se sont coulés et là, on a du mal à les défaire. Bon, vu qu'on n'arrive pas, on a tout essayé. La seule solution, c'est on a un arbre derrière là-bas. Donc on va essayer d'attacher un aimant là-bas et avec la corde, on va essayer de tirer avec la bagnole. Donc c'est bon, avec la voiture, on a réussi à tirer et puis débloquer les deux aimants. C'est parti les amis pour une nouvelle sortie pêche à l'aimant. Donc avec Mister, c'est quoi ton pseudo J'ai pas de ton pseudo, pseudo de gaming là, c'est quoi? J'ai pas de pseudo. Tony OM02. Tony OM02. Donc on va voir ce qu'on va sortir. Ah, déjà il y a des bulles, ça sent pas bon ça. Ouais, c'est pas mal. Laisse faire les professionnels. Vas-y. C'est ta première fois. En gros, je peux attacher à l'autre extrémité en fait les manches. Et dans l'arbre. Il va en face. 100 kg par face. Ah c'est bon, la fois t'as une grosse mèche je crois. Oh, oh n'empêche que ça... ça y va. Quand même ça, ça te l'a pris là. C'est juste un petit aimant. Bon, rien pour le moment. Ah, tu veux plus ? Oh, d'accord, la porte n'est pas tendue. Ah. Ah, il n'y a pas de distance, il est pas doué. Il est pas doué, désolé, il est pas doué. Oh la vache ! Il peut aussi, hein. Mets-toi avec lui. Qui met son aimant avec le. Avec le... Ah non. Ah ouais. Oh. C'est petit, mais qu'est-ce que ça. T'as de la puissance quand même. Alors, où ça va? C'est vers là-bas? Non, c'était en bordure. Ah, vous décrochez de la vase là. Oh non, il est entassé dans la vase. Ah, il commence à avoir de la. Vas-y, là je le tiens. Tu l'as ? Ouais. Et tu vois comment ça fait de la boule là, à mon avis ? C'est un... Il a enlisé, c'est pour ça. Ah, ça remonte, ça remonte. C'est un câble. Un vélo, un vélo ! Un vélo ! Une roue de vélo ! Hey, le vélo il porte mon nom, ok? Oh mince! Vas-y, renvoie Anthony, renvoie! Mon aimant est encore bloqué, mince! Et ça a l'air d'être un gros vélo en plus, hein! Ouais! Putain, du premier coup! Oh là là là! Bon, faut faire gaffe, ne pas se rapprocher sur les bords! Essaye de tirer à deux! Ah, il est là, c'est bon, ça fait des bulles! Oh, mais ça lâche! Putain, tu avais des chiens! Ah, faut essayer d'avoir une bonne face. Ou se foutre entre les rayons. Ouais, si ça rentre, ouais, exactement. Voilà, ça lâche. La surface de prise n'est pas. Une prise, Anthony. Une petite. Ah, bah, les deux ont fait une petite prise. Ah, c'est un caillou. Tiens. C'est peut-être une météorite, hein. Bon, ben, on commence à sortir. Je sais pas si ce sont les pièces du vélo. Bon, hein. Bon, avec deux aimants, on a du mal à sortir le vélo. J'ai craint qu'il faudra un grappin. Ah, il est là. Il y a un spot. Il est là. On voit la roue là. On voit la roue là, non? Ouais. Ouais, si. Ah, c'est bon, j'ai quelque chose. C'est que la roue, moi, en fait. Non, si c'était juste la roue, ça serait sorti. Le vélo, il est complet. Ah, ouais, derrière, regarde, c'est bon, il y a le cadre. Je suis passé dans le rayon. Je suis
passer dans le rien. Super. Alors, on a galéré pour sortir notre premier vélo à la pêche à l'aimant. Et heureusement, l'aimant est rentré en fait là, du coup ça s'est accroché. Sinon, sur la partie magnétique, impossible de ressortir ça. Super, super, super. Donc voilà, premier vélo à la pêche à l'aimant. Vous avez pas tout vu? Il y a un poisson, mec. La cuillère. Et oui. Et en plus. Et oui. On a un poisson. Un beau petit leurre de pêche. Ah super, super, super. Double trouvaille, pêche à l'aimant, magnifique poisson. Bon, Anthony va pouvoir faire un bon bouillon de poisson. La tête. Ce soir. Avec le riz. Tu prends ma recette là, la tête de poisson à la banane. C'est pas mal ça. Super, super les amis. Alors, bien content, bien content. Bon ben, il faut retirer ton aimant déjà si tu arrives. Le vélo, il a encore un très bon état. Hein. Je sais même pas comment il est rentré. T'as juste à acheter une selle et tu peux refaire du vélo tous les soirs. Des Techman, tu rentres en vélo toi? Je pourrais bien, mais sur l'autoroute, ça va être un peu chaud. On va le mettre de côté et on essaie. On a encore quelques petites minutes. Peut-être qu'on en fera un deuxième vélo. Hey, c'est quand même physique la pêche à l'aimant. Hein. Ah, c'est un truc de dingue. Attention. Hop. Ah, ouais. Ah, quelque chose. Une pile. Une pile les amis. Eh oui. À voir si elle fonctionne, tiens. Ouais, pour la tester. Sur l'appareil photo à la maison là, qui prend des piles, je sais plus comment c'est, les LR6. Ah ah. Allez, hop, on dépollue. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Oh, bah, il est phare. Oh, il est phare. Oh, détect, man. Une nouvelle prise, les amis. Une nouvelle prise, les amis. Regardez. Mais comment tu fais pour trouver des piles plus fortes, toi? Oh, merde. Oh là 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 là, ça va sortir ça. Non, ça va aller, c'est un tube. La pêche à l'aimant pour les sous-doués. Eh oui, un visage, des yeux, une bouche, et peut-être une cigarette sur le caillou. Allez, moi je termine cette sortie pêche à l'aimant avec une pièce quand même, la première monnaie. Et c'est une pièce de 1 centime, 1 centime avec ça. On n'est pas encore riche, mais c'est bien parti quand même. Et l'abbaye. Et une belle, c'est quoi? Abbaye de, c'est quoi? Vauclair, abbaye de Vauclair. Bah, je crois qu'ils boivent tous ça aussi, parce que moi aussi. Hein. Ouais. Ouais. Ça doit être la bière d'Aldi, là, à côté de Lidl. Et là, cette espèce de pierre, là, qui accroche là, les mains. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu pour nous le faire savoir. Et je vous dis à bientôt pour une autre sortie. Ciao, ciao.